Je suis Paulin de Menton et je suis le fondateur de Drivee. Verena Despous, Corporate Communication chez Blablacar. Teddy Pellerin, je suis l'un des cofondateurs de Hitch. On voit dans toutes les études que l'importance de la voiture comme signe extérieur de réussite est en train de diminuer, mais c'est plutôt des tendances qui se font sur 20 ans. Petit à petit, il y a de plus en plus de gens qui vont se dire que finalement, ça ne sert à rien de posséder une voiture. Moi, j'en ai pas. Les gens, généralement à Paris, en ont pas beaucoup. C'est la ville où les gens en ont moins. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que maintenant, on n'a pas vraiment besoin d'en avoir une. Et c'est probablement plus agréable, plus simple. De ne pas s'embêter avec le parking, avec la circulation, avec ce genre de trucs, etc. et d'utiliser des services différents quand on a besoin. BlaBlaCar redéfinit l'utilisation du véhicule puisqu'on on prend conscience de l'absurdité de rouler seul dans une voiture, une absurdité qui est à la fois économique, écologique comme on le disait, mais qui est aussi ennuyeuse. Bah, je pense qu'avec Drivee, on a dédramatisé le fait de prêter, louer sa voiture à un inconnu. C'était peut-être entre les trois services là où il y avait le plus de confiance à acquérir, puisqu'il ne s'agit pas de conduire quelqu'un, mais vraiment de donner ses clés. Et on a forcément un petit pincement au cœur la fois où on le fait pour la première fois. Et de l'autre côté de la plateforme, du côté des conducteurs, bah de plus en plus, au fur et à mesure que la densité augmente, qu'il y a des voitures à distance de marche, en gros, on explique aux gens qu'il n'y a pas besoin d'avoir une voiture pour avoir la liberté de la voiture.